On termine le cours de l'hypercorticisme ou bien du syndrome de Cushing. Donc il ne restera que le traitement. Pour les gens qui sont nouveaux, toujours tous ces supports sont dans la description. Un maximum de partage. Contactez-moi toujours à Instagram pour vos questions et vos propositions concernant les prochains modules. Et on continue ou bien on conclura d'abord notre cours. Donc pour le traitement, notez-vous bien c'est chirurgical en cas de maladie de Cushing. J'espère que vous avez suivi toutes les parties précédentes. L'objectif du traitement sont l'exérèse premièrement de la lésion tumorale responsable en cas de micro adénome, maladie de Cushing. Deuxièmement, correction de cet hypercorticisme qui pourra avoir des complications surtout cardiovasculaires. J'espère que vous avez suivi la physiopathologie, le rétablissement d'une fonction corticotrope normal Tout l'axe doit revenir à la normalité. Et la prise en charge des complications de syndrome de Cushing. Pour les moyens, c'est la chirurgie au premier plan. Donc, c'est le traitement principal. Si on vous pose la question, quel est le traitement principal de l'hypercorticisme Donc, c'est la chirurgie. Elle est plus ou moins associée à d'autres mesures thérapeutiques, comme traitement médical, radiothérapie si la taille elle est augmentée. Elle consiste en premièrement, donc chirurgie hypophysaire ou bien chirurgie surrénalienne, s'il s'agit d'une masse. Hypophysère, ou bien du moins sur c'est ce qu'on est en train de dire précédemment, pour les deux syndromes cortico-ACTH dépendant, voire ACTH indépendant. L'exérèse tumorale, s'il s'agit d'une sécrétion ectopique en dehors, donc ni le tronc, ni l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc ce n'est pas la tige pituitaire, c'est pas la glande surrénale qui y a eu lieu, donc une localisation ectopique, soit pulmonaire, soit comme on avait dit, c'est à l'exérès qui est le traitement là, donc c'est à enlever. Parfois, donc une résection complète qui est impossible en cause de la localisation. Si vous avez une tumeur dans une localisation richement vascularisée, voire tumeur compressif, donc c'est pas toujours accessible à la chirurgie. On a dans ce dernier cas malheureusement qu'au recours à un simple traitement palliatif, malheureusement. Donc la surinaloctomie bilatérale. Donc là, c'est par la voie transnasale, on va enlever l'ADNO qui se situe au niveau de la tige puis Twitter. Donc là, toujours sur endoscopie. Et là voilà, Donc c'est une surénalectomie qui est bilatérale dans les formes graves. Donc elle est réservée aux formes graves. Donc on ne veut pas avoir l'ablation de ces deux glandes. Donc on pourra, donc dans ce dernier cas, on va engendrer une insuffisance. Mais elle est réservée aux formes graves qu'on a déjà citées dans les hypercortisolisme qui est ACTH indépendant. Donc, c'était l'hyperplasie bilatérale, malheureusement d'origine mal connue. Donc, s'il s'agit d'échecs de traitement spécifique ou bien d'une lésion qui est bilatérale, dernier recours, c'est l'ablation dernièrement des deux surrénales. Donc, je répète par ordre de priorité, chirurgie hypophysaire voire surrénalienne, maladie de couching ou du syndrome paranéoplasique, l'exérèse s'il s'agit d'une localisation ectopique, si cette dernière n'est pas possible, traitement palliatif et dernier recours. Donc, ça, c'est l'ordre. Donc, dernier recours, c'est une surrénalectomie bilatérale devant une lésion qui est bilatérale. Toujours. Donc, premièrement, la chirurgie, c'est le traitement principal. Donc, en association. Donc, ça, c'est une surrénalectomie toujours bilatérale. En association avec d'autres mesures, c'est le traitement médical au deuxième plan. Donc, c'est le traitement de l'hypercortisolisme. Plusieurs drogues agissent sur différents sites. On a des substances qui vont avoir une action périphérique. Donc, c'est le cas de méphipristone, ou bien le méphigine, ce que vous, vous êtes en train de voir dans l'illustration. Donc, c'est un anti-progestérone, ce dernier, qui possède à forte dose une activité antagoniste du récepteur glycocorticoïde et une faible activité anti-androgène. Donc, mais, il est utilisé que dans des très rares cas. Donc, en association à la chirurgie, traitement médical, notez-vous bien le mifipristone, ou bien le mifigine à action périphérique, il va saturer les récepteurs au glycocorticoïde. On a d'autres substances, donc là c'est le mifipristone, le mifigine, donc le même, même nomenclature, donc le mitotane, donc d'autres molécules. Donc le mitotal ou le nom commercial c'est losodra. Donc c'est un dérivé des insecticides. Il a une action cytotoxique retardée au cellules cortico surrénal. Mais malheureusement les effets secondaires de ce dernier sont très nombreux. Ils sont dose dépendantes et limitent l'utilisation de ce produit. Donc le a à utilisation peu fréquente. Et deuxièmement, donc, le méthotane, ou bien l'ésodane, le non commercial. Donc, c'est un insecticide, c'est cytotoxique, et leur limitation. Donc, ça, ça limite leur utilisation. Ce qui est utilisé, ça, vous avez vu dans votre parasitologie. Donc, c'est le kétoconazole, les produits azolés. Donc, vous êtes juste, c'est un antifongique. Il va inhiber rapidement la stéroïdogèse sur une alien. Il est adosé de doses de 400 à 1200 mg. L'association de ce dernier, de ce kétokinazole, à plusieurs médicaments, elle est contre-indiquée, surtout les statines. Faites attention. Et une surveillance régulière du bilan hépatique, elle est nécessaire si vous allez traiter votre patient avec de ce dernier, dernière molécule, le kétokinazole. C'est si pour cela, la chirurgie, elle restera, je répète, le traitement principal d'un syndrome sur. Surrénalien ou bien des syndromes d'hypercorticisme, soit au niveau de surrénal, soit bien sûr un adénome, c'est à enlever. Donc d'autres molécules, c'est le mitirapone, toujours du cotoconazole, faites attention à prescrire ce dernier avec des statines. Suivez votre fonction hépatique en cas de ketoconazole, produit produits azolés. Là, c'est le métopyrone, donc il inhibe l'enzyme bêta-hydroxylase. Ça, vous avez vu, c'est un enzyme qui, qui, a son, bien, qui joue son rôle dans la genèse des hormones corticotropes. Donc, il permet de contrôler à court terme l'hypercortisolisme des syndromes de Cushing qui ont une origine anti-hypophysaire ou bien hypophysaire, ectopique et voire même surrénalien. Donc, son indication concerne seulement, ça c'est à retenir, le traitement des hypercortisolismes qui sont ACTH indépendants. Si on est devant un syndrome d'hypercortisolisme ACTH dépendant, ce mitirapone, il est inutile. D'autres molécules donc c'est l'étomidate. Donc l'étomidate, c'est un anesthésique utilisable uniquement par voie intraveineuse. Son effet il persiste de quelques heures voire quelques jours après l'arrêt du traitement. Donc pour eux, le traitement qui est instauré à phase courte c'est le mitirapone. Si vous vient pour contrôler cette pathologie à hein, plusieurs heures, plusieurs jours, on va faire le recours à l'étomidate. Donc ça, c'était des molécules qui ont une action qui est périphérique, soit au niveau de la glande surrénale ou bien au niveau, je répète, des récepteurs, comme on avait vu. Maintenant, pour les substances qui ont une action hypophysaire, Donc ils sont utilisés, donc si vous êtes en train de suivre le cours, pour bloquer la sécrétion de l'ACTH. Donc c'est pour les. Ou bien c'est pour les syndromes d'hypercortisisme qui sont ACTH dépendants. Donc, utilisé pour bloquer la sécrétion de l'ACTH, on note là l'exemple de plusieurs molécules, donc de la somatostatine comme l'octéodine ou bien l'octriotide et l'enréotide. Donc, ce sont des deux analogues de la somatostatine. Et, cette dernière, donc, ce, deux, bien ce traitement médicamenteux, quel que soit action périphérique ou à action centrale, donc, il peut être associé avec de la radiothérapie conventionnelle. Donc, cette dernière peut être conventionnel, comme vous voyez dans l'illustration, et peut être stéréotypé. Donc, ça, vous avez vu, donc, dans votre neurologie, donc, ou bien stéréotaxique à la chirurgie. Donc, on associe le terme là, le gamma knife. Les risques, cette dernière peut engendrer des tumeurs cérébrales qui sont rétro-induites, ou bien radio-induites, des hypopituitarismes, voire même un AVC. Donc, ça, vous avez vu, dans les tumeurs cérébrales, vous pouvez consulter ça, ce cours plutôt à tout moment. Il est toujours disponible dans la playlist de neurologie. Donc, si on récapitule le traitement, les points forts à retenir pour vous, le traitement restera chirurgical. Donc, une résection ne soit pas voire transnasale, comme vous avez vu, s'il s'agit d'un adénome, micro-adénome le plus souvent, dans la tige Twitter, sur une donc unilatérale, voire bilatérale, si cette pathologie elle nécessite cette dernière. Si la tumeur elle est inaccessible, c'est seulement un traitement palliatif. En associant avec les médicaments à action périphérique, à action centrale, à la radiothérapie, pour limiter la taille ou bien réserver une résection totale de cette tumeur. Dernièrement, il nous reste que les indications. On a quatre grandes pathologies. Donc, on a premièrement la maladie de Cushing, on a l'adénome surrénalien, on a le cortico surrénalome malin et on a le Cushing par Donc, c'est ce qu'on a vécu dans les syndromes d'hypercortisolisme ACTH dépendant et ACTH indépendant. Alors, je demande votre intention. Cette dernière plaque, elle est à retenir. En bas sur les définitions, les notions de base, et on n'oublie pas les conclusions, n'oublie pas les indications, les messages à retenir. Donc, c'est très important. Et je demande là votre intention. Donc, pour la maladie de Cushing, premièrement, donc s'il s'agit d'un micro-adénome, je répète, c'est une chirurgie par voie transphénoïdale ou nasale en première intention. C'est ce que vous avez vu au début de ce, ce diapo. Donc, elle consiste à une adénomectomie sélective ou bien hypophysiectomie s'il s'agit de grande taille ou bien hypophysictomie totale. S'il s'agit d'une échec ou bien de récidive, donc là on a le recours à la radiothérapie ou bien au traitement médical. Rarement, une sérénalectomie bilatérale. Donc je répète syndrome de Cushing, c'est un micro-adénome. Quelle est votre thérapeutique C'est la chirurgie Adénomectomie sélective. On sélecte, on enlève juste la masse. Ou bien s'il s'agit d'une grande masse avec une extension, Imi, hypophysique, tomie, on enlève la moitié, voire une hypophysique tomie, totale. Si cette masse, elle est de très grande taille, ou bien s'il s'agit d'une importance des symptômes. S'il s'agit d'un échec ou de la récidive, on n'a que le recours à la radiothérapie ou bien au traitement médical. Donc à retenir, maladie de Cushing a des normes, le traitement de choix, si on vous pose ça dans un contexte clinique, j'espère que vous allez crocher ou bien que vous allez prescrire un traitement chirurgical, une exérèse, donc une adénomectomie. Deuxièmement, pour l'adénome qui est surrénalien, on a vu ça dans les illustrations, c'est une surrénalectomie unilatérale, faites attention, en premier plan, traitement conservateur. Après, bien sûr, préparation médicale par les anticortisoliques, ce qu'on est en train de voir dans la page précédente. Et bien sûr, une substitution transitoire par l'hydrocortisone. Donc, ce patient, il pourra avoir une diminution ou bien une insuffisance de cortisone. Elle est nécessaire en père et en post-opératoire. Faites attention, l'insuffisance sur une c'est une urgence. On va voir ça dans l'insuffisance sur On ne veut jamais que le patient va avoir une insuffisance sur aiguë. Cette dernière, elle est mortelle. Donc, l'hypercortisisme, c'est sévère. Mais l'insuffisance sur je répète, aiguë. Elle est mortelle, faites attention. C'est une urgence. Donc devant une adénomectomie, ou bien d'une plutôt d'une résection, une surrénalectomie, faites attention à substituer le patient pour que ce dernier ne fait pas une insuffisance surrénalienne aiguë. Donc ça c'est le deuxième cas. Troisièmement, si vous avez un surrénalo ou bien un cortico corticosurénal malin. Donc, c'est la surrénal Surinalectomie ou bien la chirurgie restera le seul traitement curatif devant les formes malignes, malheureusement. N'oubliez pas, suivre votre adénome. Ce dernier peut se dégénérer vers du corticosurinalum. Donc pour la forme maligne, pour le corticosurinal, la chirurgie, c'est le seul traitement curatif. Les autres alternatives thérapeutiques sont soit traitement médical, comme on avait vu par l'OP3D, la chimiothérapie ou bien de la radiothérapie externe. Et dernièrement, devant le dernier cas, s'il s'agit d'une localisation ni anti ni sérénalienne, donc soit bini, soit maligne, donc il ne restera qu'une localisation ectopique. On associe le terme, si vous avez suivi votre cours, c'est le Cushing paranéoplasie. Donc le traitement là, le traitement de choix, c'est traiter la tumeur responsable. Donc, soit pulmonaire, soit pancréatique, ce sont les, les localisations qu'on a déjà citées. Si cette tumeurs peut être exhérées, bien enlevée, donc c'est le cas de tumeurs pulmonaire, donc une lobectomie, voire une plumectomie. Donc, exhérée chirurgicale, chimiothérapie, radiothérapie en association concernant le type histologique et bien sûr la localisation de la tumeur. S'il y a échec, donc malheureusement, le traitement médical ou bien une surrénalectomie bilatérale comme dernier recours. Donc je répète toujours, laissez-vous la surrénalectomie bilatérale comme dernier recours. Donc ça nécessite un traitement substitutif par l'hydrocortisone, donc de façon permanente, et le risque de développer une insuffisance surrénalienne aiguë, je répète troisième fois, qui peut être mortelle. Donc vous avez quatre grandes pathologies à traiter maladie de Cushing. Vous avez un adénome surrénalien bénin, il est à suivre, faites attention. Un cortico-surrénal en malin, il doit être exéré très rapidement, c'est le seul traitement curateur. Et pour la localisation paranéoplasique, et je répète, c'est très difficile de localiser cette dernière à cause des trois ambiguïtés qu'on a vues dans les parties précédentes soit diagnostic topographique, voire le traitement de ces localisations ou bien ces tumeurs secondaires qui sont très virulentes, donc qui sont très agressives. Donc si ça ne marche pas, donc devant ces localisations ectopiques, on n'a que le recours au dernier dernier recours, c'est la surrénalectomie bilatérale et qui peut engendrer une insuffisance surinhalienne aiguë qu'on va voir dans les prochains cours. Donc ça c'est tout pour le syndrome de cushing circolaque ou bien pour l'hypercorticisme. J'espère que les vidéos sont utiles. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant ce cours qui est très important. C'est pour cela on a basé sur tous les notions de base. Je vous remercie toujours pour votre attention. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition s'ils sont utiles. Donc, maximum de partage. On se rencontrera dans des prochains cours. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.